Bonjour à toutes et à tous, c'est Vaudouhai de Video Gameplay. Donc aujourd'hui, on va faire un gaming live sur All Rush. Donc on lui a mis 9,3 sur 10. Donc il a été créé par Unigine Corp, un éditeur russe. C'est un jeu de stratégie sorti le 25 janvier 2012 en France. Cependant, il est seulement en anglais ou en russe. Donc là, moi je l'ai mis en anglais, pardon. Il a été adapté sur PC, Mac et Linux. Et bientôt, d'après les développeurs, sur PS3. Alors le but de ce jeu, c'est de se battre pour le contrôle de plateformes pétrolières avec une armée navale et aérienne. Donc là, je vais commencer par la campagne City of the Dead, Chapter 2, Frozen Hill. Donc là, je vais vous montrer comment on joue dans ce jeu. Voilà. According to status reports from the borders, the northern rain is becoming more active day by day. Last week, we lost our entire fleet in a severe conflict. This is Firefly, the only pilot who managed to survive. Our whole squadron was slaughtered, one by one. The enemy had advanced technologies we'd never dreamed of. We were outmatched, but we are not the ones to go down without a fight. I mean, we're the ones. And instead of going back there, I'm stuck on the ground with nothing to fly in. We'll get you back into the sky, I promise. This place reminds me of a photo I once saw in my father's cabin. There were sunny beaches, palm trees, and smiling people. Who'd recognize it now? The only things that visit this frozen ghost city are drifting icebergs. They call this global warming, huh? The planet has changed quite a bit. I remember this place well. I wish my memories were of the smiling people, not the dead ones. There's an airplane base nearby. Capturing it would be a good start, and a good payback. Agreed. Let it be our Donc first voilà, target. la campagne est commencée. Donc quand on commence une campagne dans All Rush, on commence toujours avec un bootcamp, c'est-à-dire une base où on peut avoir des piranhas, ce sont des scouters des mers équipés de mitrailleuses. Et il faut, dans le but là de cette partie, conquérir des objectifs. Pour cela, donc là j'ai envoyé mes troupes, oui voilà 100%, donc j'ai envoyé toutes mes troupes. D'accord. Alors là, comme vous avez pu apercevoir, j'ai des deux tourelles là, donc ce sont des bunkers armés de mitrailleuses qui vont défendre ma base. Comme cela, quand j'envoie toutes mes unités pour attaquer un point et le prendre, ma base, elle ne reste pas sans défense. Elle est quand même protégée contre l'ennemi. Sauf que pour pouvoir les faire, ça coûte beaucoup de pétrole. Et donc c'est pour ça que j'ai besoin de capturer très vite des points de pétrole comme celui que je viens de capturer. Donc là je vais les réparer parce qu'ils sont assez endommagés. Donc en tourelle défensive, on a trois types. On a le bunker qui permet de combattre les unités aériennes si elle est améliorée, et les unités navales, mais légères seulement. Après on a des mitrailleuses qui se postent, je ne sais plus trop le nom, qui sont simplement pour les unités navales mais de type médium. Et après on a le type anti-aérien qui est équipé de lance-roquettes, mais qui n'est pas débloqué dans le mode histoire, je ne sais pas pourquoi, mais qui est débloqué par contre dans le mode multijoueur et quick match. Et donc c'est assez embêtant quand on combat des avions, parce qu'on n'a pas de tourelle anti-aérienne, donc on se fait un peu battre quand on commence, mais après on comprend vite comment faire. Donc là voilà, j'ai capturé un aéroport, un genre d'aéroport pour construire des avions plutôt, qui va m'aider après pour aller combattre l'ennemi. Donc oui, donc quand on attaque des bases ennemies, à chaque fois qu'on tue un bateau, un avion, un hélicoptère ennemi, ça nous rapporte des points. Et en haut à gauche, il y a une petite fenêtre que j'ai ouverte tout à l'heure qui met plus 1 là. Et ça nous donne des points qui nous permettent d'avoir des améliorations comme le radar que j'ai actuellement. Mais il y en a énormément d'autres. Je sais que dans le mode quick match, il y a la bombe nucléaire. Donc voilà, là. Donc là, ça c'est pour accélérer les constructions. Enfin, il y en a tellement que bon, pas tous les faire. Et ça permet d'accélérer les constructions, qui est assez impressionnant. Donc là, je vais vous montrer. Voilà.
ça avance très vite comparé à ça avance très vite. Là, je suis en train de me faire ma petite armée. Bon, là, je vais améliorer les tourelles. Elles sont pas terribles. Et là, en plus, ah bah on se fait attaquer. Bon, bah, alors là, ça c'est magnifique. J'ai plus de tourelles. Oh, non. Ah oui, d'accord. Donc oui, voilà, dans ce jeu, on peut vite fait se faire détruire des tourelles. Ça va très très vite, n'empêche. Bon, en parlant de ce jeu, les graphismes, ils sont vraiment irréprochables. Bon, là, sur Mac, je le fais tourner en même temps sur des graphismes ultra. Et oui, des graphismes ultra. Donc, la carte graphique, elle est en train d'un peu de ramer. Mais sinon, ça marche vraiment nickel. Quand on met en medium ou high, c'est vraiment des graphismes impressionnants. Après, le gameplay, franchement, il n'y a vraiment rien à redire dessus. C'est vraiment d'une précision, mais sans précédent. Les bateaux et les avions font vraiment. Ils sont vraiment très. Ils sont autonomes dans leurs mouvements, mais ils sont quand même vraiment très bien définis. C'est-à-dire que l'avion, il va avoir des directions, pardon, différentes, mais quand même qui vont être guidées. Et c'est vraiment ça qui est impressionnant, c'est que il n'y a pas besoin de le diriger tout le temps comme dans certains jeux de stratégie. Par exemple, si vous prenez, je sais pas, Age of Empires qui est aussi sur Mac, le 3, moi j'y joue aussi sur le 3, les graphismes, bon, ils sont vraiment minables, le gameplay est pas terrible, mais alors que là, franchement, c'est vraiment incroyable. Tout est intelligent. L'IA, bon, l'IA est pas très intelligente, ça joue de la corde. En mode facile, elle est facile à battre. En mode normal, ça va encore. Mais alors, par contre, dès que vous la mettez en mode difficile, c'est totalement, sans déconner, c'est vraiment impossible. J'ai essayé, je me suis fait laminer en 5 minutes. L'IA m'a même pas laissé une seule chance. Et elle était en mode dur. Alors que le mode normal, c'est vraiment hyper facile. Et là, je me suis fait laminer. Donc, pour dire que quand même, des fois, il y a des. Ils ont pas mis de mode médium Unity Corp. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas trop grave. Et après, par contre, ouais, point faible du jeu quand même, c'est que il est pas en français, il n'est qu'en anglais ou en russe. Donc, bah, si vous parlez pas l'anglais et le russe, vous pouvez pas y jouer. Enfin, vous ne comprendrez rien du tout à l'histoire et comment jouer. Il y a des petits trucs qu'on comprend vraiment facilement, mais il y a des trucs. Faut vraiment avoir un certain niveau en anglais. Bon, personnellement, moi je m'en plains pas trop, parce que le français c'est pas trop mon truc sur certains jeux, je comprends pas trop. Et là, franchement, c'est vraiment assez simple à comprendre et tout. Il y a juste 2-3 petits trucs, c'est que pour ce jeu, si vous avez un MacBook, faut mieux mettre une souris, parce qu'avec le pad, moi je joue qu'avec le pad. Les 5 premières heures, je me suis fait chier à trouver toutes les touches. Mais c'était chiant. J'ai presque abandonné. Mais j'ai tenu bon. Mais non. C'est vraiment. Non, non, jouer avec une souris. Vaut mieux jouer à ce jeu avec une souris. Parce qu'il est tellement chiant sinon. C'est le bordel. Bon, on va améliorer ça. Tiens, les tourelles aussi. Donc voilà. Donc, oui, donc dans les unités, après, pour construire votre armée. Il y a plusieurs types d'unités. Dans les unités navales, vous avez donc les piranhas qui sont des scouters des mers. Après, vous avez des bateaux. Vous avez deux types de bateaux, donc des bateaux qui sont plutôt légers, qui sont pas trop mal encore contre les bâtiments, enfin les tourelles. Puis on a les bateaux plus lourds, les hammerheads, qui sont en fait des tanks amphibies, qui sont d'une puissance et d'une précision, c'est incroyable. J'avais jamais vu des bateaux comme ça avant, enfin des bateaux, des chars amphibies avant. Et là, franchement, dans ce jeu, ce qui est bien, c'est que vous pouvez tout dégommer rien qu'avec ça. Après, dans les unités aériennes, on a des avions qui sont vraiment très bien. Des hélicoptères que j'ai pas encore testés parce que j'ai pas trouvé comment les faire. Mais c'est vraiment exceptionnel, quoi. Les avions sont vraiment d'une utilité. Je ne peux pas faire sans. Parce que, par exemple, dès que vous avez un iceberg ou des blocs de glace ou peu importe ce qu'il y a devant vous, les bateaux sont obligés de faire un contour. Donc, ce qui va prendre 2 fois plus de temps. Et s'il y a des ennemis,
vous pouvez vous faire dégommer. Donc vous avez plus d'unité. Et là, si l'ennemi vous attaque, vous perdez la partie. Si vous avez pas mis de tourelle sur vos bâtiments. Donc les avions, eux, ils passent au-dessus. Et comme ça, ils attaquent directement. Donc vous les envoyez en premier, vous envoyez après votre flotte. Et là, comme ça, hop, c'est bon, vous avez gagné. Vous avez 50% de chance de gagner avec des bateaux, alors que vous avez plus de 80% de chance de gagner si vous envoyez d'abord vos unités aériennes. Donc moi, personnellement, je préfère faire ça. Ou sinon, il y a une autre solution, c'est de tout envoyer en même temps. Mais bon, là, par contre, c'est assez risqué. Parce que si l'ennemi vous bat, ce qui est bon là, c'est pour une partie en mode facile, c'est rare. Mais bon, admettons qu'il vous batte, s'il prend toute votre plateforme, toutes vos plateformes, bah, là vous avez perdu et c'est pas terrible. Donc par exemple, pour prendre une plateforme qui est occupée par un ennemi, donc là bon, moi je vais vous montrer un exemple. Là je sais pas s'il y a quelqu'un, je sais pas du tout, c'est un puits de pétrole que je vais attaquer, qui est aux mains de l'ennemi. On va bien voir s'il y a quelqu'un. Non, il y a l'air d'avoir personne. Bon bah, j'ai fait quoi? J'avance tout le monde ou... Je fais quoi? Là, je sais pas trop quoi faire. Soit j'attends que les autres arrivent pour tout envoyer, comme si au cas où il y a des ennemis, ou je sais pas trop. Ou alors j'envoie. On a combien? 10 avions, 13 bateaux et 17 scooters. Bon, je vais attendre que les derniers arrivent. Et après, je vais tout envoyer sur le puits de pétrole. Vous allez voir, il y a une barre bleue sur le puits de pétrole. Cette barre bleue, c'est... Bon, là, par exemple, là, c'est moi. C'est une barre rouge, donc ça veut dire qu'il est pour moi. Il est à moi. Et les barres, elles vont diminuer. Donc ça veut dire qu'il va perdre, il va commencer à perdre. Et c'est... sa plateforme pétrolière. Et moi, après, des barres rouges vont monter. Et là, ça veut dire que ce puits de pétrole est contrôlé par moi. Donc, par exemple, si je m'étais fait battre, que l'ennemi avait pris toutes mes plateformes et il était à la dernière, il était arrivé à la dernière, qu'il avait détruit mes tourelles, et qu'il y avait une barre de rouge en moins, j'aurais perdu la partie. Ça, faut le savoir, qu'il n'y a pas le temps de construire une autre unité. Donc là voilà, j'envoie toutes mes troupes, allez les petits, on y va. Donc là vous voyez, oula, où est-ce qu'ils sont là? Donc voilà, il y a tous mes avions, donc voilà, là on voit les barres qui s'en vont. Et là voilà, j'ai gagné la partie. Donc voilà. Donc c'était vidéo gameplay pour un gaming live sur All Rush. Donc ce jeu, il est disponible depuis le 25 janvier 2012 sur PC, Mac et Linux. Sachant que pour jouer sur PC, il vous faudra un PC très puissant. Sur Mac, bon, le MacBook Air est faisable et un Linux assez puissant. Donc voilà. Salut, à la prochaine vidéo.